Bonjour à tous. Une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. J'avais envie ce matin, en me réveillant, de faire les énergies de la semaine que je ne fais pas depuis longtemps pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous soutenir dans ces moments qui peuvent être inquiétants, bouleversants, libérateurs pour d'autres. On vit tous des choses très différentes en ce moment et on vit une situation qu'on ne s'attendait pas à vivre de cette façon-là et de façon si brutale. Et finalement, ce qui s'est imposé ce matin, c'était une petite vidéo un peu plus spontanée, chose que je ne fais pas d'habitude, enfin pas en tout cas avec ce format-là, avec des guides qui avaient très envie de s'exprimer. Donc oui, il y aura quelques cartes. Mais c'est plutôt une vidéo pour vous dire que les choses sont comme elles doivent être. On me dit de vous dire qu'il y a des peurs qui remontent, et ça c'est normal. Pour certains, la peur de mourir qui va être de plus en plus intense parce que on parle de ces nombres de personnes qui continuent, de ces nombres de morts qui continuent à augmenter, de cette contamination qui s'étend, la peur de perdre ses proches, de ne plus les voir, parce que dans certains pays il y a déjà des confinements, on y arrivera peut-être nous-mêmes. Et on nous éloigne de certains proches qui peuvent être affaiblis, de nos anciens, ceux qui ont quand même, ceux qui portent la sagesse, ceux qui sont nos marqueurs de sagesse et d'enseignement. Pour d'autres, c'est la peur de manquer. Alors on voit bien des magasins qui sont dévalisés, ce besoin de récupérer parce que peut-être que ces personnes-là, et peut-être que vous en faites partie, peut-être que j'en fais partie, et peu importe, peut-être que ces personnes-là ont vécu des guerres, peut-être qu'on les a rationnées, que ces personnes-là sont mortes de famine, et que le fait de ne plus avoir accès à la nourriture les met dans un état de panique extrême, où du coup on récupère, on récupère. Peut-être que pour certains, c'est la peur d'être seul, parce que quand on nous invite comme ça à nous confiner, il y en a qui vont être seuls chez eux, il y en a qui n'ont peut-être pas de conjoint ou de mari ou de femme à la maison, d'enfants, et qui vont se dire, tiens, finalement, je me sens très seule. Je me sens très seule quand je ne côtoie plus mon lieu de travail, quand je ne vais plus à mes activités, puisque beaucoup d'activités sont suspendues. Pour d'autres, la peur, au contraire, de se retrouver dans ce foyer qu'on quitte le matin, qu'on retrouve le soir pour quelques heures, et là, on va se retrouver dans un foyer présent, multiprésent et présent du matin au soir avec pour certains le besoin de nourrir ses enfants, de les occuper, de leur enseigner des choses. Peut-être que les deux parents se trouvent là et ce qui n'est pas habituellement le cas et que souvent il y en a un et pas l'autre et c'est réinventer un nouveau relationnel, c'est réinventer un nouveau positionnement. Il y a beaucoup de peurs qui vont monter. Et ce que vraiment on vient de dire aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est pas de savoir ce qui va se passer, comment va se terminer tout ça, mais c'est de venir contacter chez vous quelle est cette peur qui remonte, ou quelles sont ces peurs qui remontent, la peur de la maladie aussi. Donc du coup, d'avoir besoin de se sentir extrêmement protégé, de mettre plein de barrières, de cette panique qui peut arriver en se disant non, moi je sors plus de chez moi et je ne côtoie plus personne. Mais après, quand vous aurez contacté cette peur, je vous proposerai en fin de semaine, ce qui n'était pas prévu du tout, mais moi aussi je m'adapte. Je m'adapte à ce qui se passe. J'ai fait le choix d'accompagner, et j'en ai maintenant conscience, d'accompagner les âmes, les personnes à trouver leur chemin, à se sentir mieux, à être plus épanouies. Et ce que je vais vous proposer là va être aussi un accompagnement pour vous aider à vous retrouver. Quand on a peur, on baisse son taux vibratoire. On est donc fragilisé. On se sent moins bien. On a moins de joie. Et ce que je vous propose, moi, parce que moi, mon souhait le plus profond, c'est que chaque âme, chaque personne là qui va voir cette vidéo, se sente reconnectée à elle-même et qu'elle puisse profiter de tout ce qui se passe actuellement pour venir y trouver un enseignement, pour venir y trouver une lumière à l'intérieur d'elle-même et qu'elle ne reste pas dans sa peur, dans sa panique, paralysée par tout ce qui pourrait
être engendré comme étant négatif, si on peut classer ça de négatif. Je vais vous proposer un voyage chamanique. Alors, je ne sais pas, parce que les voyages chamaniques arrivent quand c'est juste. Le chant arrive, le moment arrive, et puis à un moment, on me dit que c'est maintenant. Alors, je prends le tambour et je le démarre. Donc, je proposerai un voyage chamanique pour vous aider à aller contacter cette peur, à aller la... voilà, la toucher, la sentir, la percevoir, parler avec elle. Et une fois que vous l'aurez contactée, vous pourrez du coup la déposer. Vous pourrez la sortir de vous. Vous pourrez l'appréhender. Et peut-être qu'il y en aura plusieurs et vous ferez plusieurs fois ce voyage chamanique. Donc voilà, suivez bien sur la page Facebook, sur YouTube. Je ferai, je mettrai ce voyage chamanique, je pense, dans les prochains jours. Et puis ensuite, quand vous aurez déposé votre peur, vos peurs, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront plus présentes pour vous ou plus actives pour vous, mais en tout cas, le fait de contacter sa peur et de la voir devant soi permet de sortir une partie de nous et de se dire « Ok, maintenant je te connais, maintenant je sais qui tu es et maintenant je vais prendre des mesures pour que tu ne me fasses plus autant souffrir ». Ensuite, ça va être d'identifier vos besoins parce que le fait de se retrouver avec du temps, on court toujours après le temps, on dit toujours qu'on est en manque de temps, que tout passe trop vite, qu'on n'a pas le temps, voilà, on n'a jamais le temps. Et bien là, l'univers, avec des raisons et avec des situations qui peuvent être extrêmement désagréables ou paniquantes ou angoissantes, en tout cas, l'univers nous offre du temps. Du temps avec nous, du temps au foyer pour beaucoup d'entre nous, du temps avec nos proches, du temps avec nous-mêmes pour aussi aller voir pourquoi finalement ce temps nous fait tellement peur alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est un joli cadeau d'être chez soi. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont être confrontées à la peur de manquer d'argent parce qu'il y a ceux qui vont être payés et puis il y a ceux qui vont devoir cesser leur activité, qui vont devoir... travailler leur insécurité matérielle. Donc, vous allez voir que chacun, et puis vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi lui a tellement peur et vous vous dites, mais moi, j'aimerais bien être à ta place. Mais oui, parce qu'on a tous des peurs différentes, on a tous un vécu différent, on a tous des expériences de vie antérieures différentes. Et ce qui se passe là maintenant va venir pour chacun mettre le doigt sur ce qu'il a besoin de dépasser pour être dans son épanouissement intérieur, dans sa libération. Donc, quand vous aurez passé cette étape de la peur, il sera temps d'aller contacter vos besoins. Je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, je ne sais pas si cette vidéo vous plaira, vous dérangera, vous intéressera. Donc, on verra s'il y en a d'autres. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, faites-moi part de vos ressentis. Maintenant, je vais vraiment insister sur le fait que, pour moi, cette vidéo, elle n'est pas là pour générer de la colère. Donc s'il y a des colères, s'il y a des gens à qui ça ne convient pas, et bien en fait passez votre chemin. J'ai pas envie que cet espace devienne un espace où on vient déposer sa colère. Pour ça il y a des espaces privés pour le faire, donc si vous voulez prendre un rendez-vous, et bien faites-le et on travaillera sur votre colère. Mais cette vidéo n'est pas du tout là pour déranger, mais au contraire pour accompagner, pour soutenir, parce que c'est ce que je fais quotidiennement depuis de nombreuses années, avant en tant qu'enseignante et maintenant en tant que thérapeute, et que je souhaite être là pour vous, mais certainement pas ouvrir des espaces d'attaque généralisée. Donc si jamais c'est votre cas, eh bien passez votre chemin, parce que cet espace n'est pas là pour vous. Allez, on va regarder une petite carte qui m'appelle dans les forces de guérison. On a besoin de retrouver de la force de guérison, voilà, la carte qui semble, pas de surprise, de retrouver de l'énergie vitale, de trouver de la force, d'être en train de vivre ce qui se passe avec... avec une certaine distance pour pouvoir comprendre pourquoi nous, ça vient nous faire mal à tel endroit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun, déjà pour s'occuper de nous et puis ensuite pour s'occuper des autres. Mais déjà, occupons chacun nous de nos propres blessures et globalement, l'ensemble de la Terre ira mieux.
Alors, première carte, on est sur l'équilibre énergétique. Donc oui, je vous parlais d'équilibre, je vous parlais des peurs à déposer. Et c'est vrai que quand on est dans la peur, et pour être dans la peur, il suffit d'allumer sa télé en ce moment et d'écouter la télé en boucle. Pour être dans la peur, le fait d'être dans la peur va baisser vos vibrations et fait que vous êtes émotionnellement plus fragile, physiquement plus fragile. Et que, voilà, posons les mots, vous êtes manipulable. Et donc, qu'on peut faire de vous des choses que vous n'avez pas envie qu'on fasse de vous. Donc, cultivez votre joie. Et la joie, ça peut être mettre un CD que vous adorez, ça peut être danser chez vous, ça peut être faire de la pâtisserie, prendre un pinceau et juste faire des aplats de couleurs ou dessiner. Si vous ne pouvez pas sortir, déjà juste regarder dehors la nature ou voyager, partez dans des lieux qui vous font du bien. En tout cas, ne subissez plus et essayez de transformer cette énergie pour en tirer un profit pour vous, en tirer un bienfait pour vous, pour chacun d'entre vous. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Il n'y en a pas visiblement dans ce jeu-là. Ok, alors on va regarder un petit message dans l'oracle des artisans de lumière. Allumons tous nos lumières en ce moment. Et je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile en ce moment d'avoir peur de la mort, de craindre de tomber malade et de mourir, d'être personnel soignant, de s'épuiser et d'accompagner comme on peut les gens. De fermer des entreprises et de ne pas savoir de quoi sera fait demain, de garder ses enfants à la maison et de ne plus avoir aucune pause pour nous. Rien n'est facile, mais d'ailleurs, l'incarnation n'est pas facile. Il y a trop de cartes qui sont sorties. L'incarnation n'est pas facile et ce serait... Alors parfois, vous trouvez la vie des autres facile, mais eux ne la trouvent pas facile. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu avant, vous ne savez pas quelles sont leurs blessures. Vraiment, ce qu'on me dit là, c'est que chacun prenne soin de lui. Il y a des gens dont c'est le travail, dont c'est le métier, dont c'est la mission, dont c'est le parcours de vie, de prendre soin des autres, parce que dans leur chemin c'est juste, mais pour l'instant que chacun s'occupe de lui. Activation de vos vies antérieures. Je pense que, voilà, c'est un peu ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est un environnement mondial, parce que là on est sur autre chose que le territoire ou que le pays, c'est un environnement mondial qui vient réveiller des peurs de vie antérieure. Tout ce que vous allez connecter là est lié à des vies antérieures. Donc il va y avoir, de toute façon ça fait longtemps que je vous parle de ces libérations transgénérationnelles, karmiques. Bien sûr, on a des choses à libérer et parfois quand on ne les libère pas, eh bien ça s'accélère et à un moment ou à un autre, on aura besoin de le déposer pour notre bien-être et pour notre soulagement. Donc, peut-être que c'est le moment d'aller contacter vos vies antérieures. N'hésitez pas. Moi, je maintiens, en tout cas pour l'instant, tant que c'est possible, je maintiens les consultations au cabinet, je maintiens les consultations à distance. Internet n'est pas encore coupé. Donc, peut-être que c'est aussi un temps pour prendre soin de vous. Regardez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bon ou juste pour vous, mais je suis là pour vous proposer des outils. Quel qu'il soit, ça peut être le chant, le tambour, les oracles, le magnétisme, les stages. Enfin, je vous propose des outils pour que vous puissiez vous prendre en main et être autonome dans votre bien-être. Voilà, ça c'est ma valeur à moi en tout cas, c'est ce que je veux vous apporter. Allez, un dernier message dans les portes de l'âme pour terminer cette petite vidéo. Oh, magnifique, la créativité. Voilà, créons. Créons, ne nous enfermons pas, ne nous interdisons pas. Il va y avoir des interdictions, beaucoup. Il va y avoir des enfermements, c'est un peu fort. Mais pour certains, d'ailleurs, on me dit que si vous avez eu des vies de prisonniers, bien sûr, si vous vous retrouvez confiné chez vous, ça va être difficile, ça va réactiver. Peut-être qu'il y en a qui sont morts dans des cellules. Donc ça va réactiver ces blessures-là. Et ça, c'est des choses qui nous dépassent parce que c'est dans notre inconscient et que ça vient remonter dans nos corps physiques à un moment. Donc, la clé de toutes vos libérations est de créer, de ne pas arrêter de créer, quelles que soient vos créations. Chacun crée sa vie, crée son art, crée son histoire à sa façon. Allez voir pour vous
ce qui vous apporte de la joie et du bien-être. Et j'insiste parce qu'on n'arrête pas de me le dire, que la joie et le bien-être, et là on est vraiment dans le plexus solaire, hein, avec ses couleurs jaune-orangé, c'est le chakra qui a besoin de s'ouvrir, c'est le soleil intérieur. La joie et le bien-être, c'est votre plus belle guérison. Donc, juste par contre, allez voir ce qui vous met en joie et ce qui vous apporte du bien-être. Allez, je vous souhaite de beaux moments avec vous, parce que c'est ce qui va se passer. Ça va être des moments de nous à nous, dans un climat difficile parce qu'il est inconnu et qu'il est différent de celui qu'on appréhende au quotidien. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on va aller chercher nos propres ressources. C'est lorsqu'on vit des situations difficiles et lorsqu'on est dans un cadre différent qu'on déploie des nouvelles ressources. Donc, acceptez ce qui est en train de se passer comme une étape nécessaire pour évoluer et pour à nouveau aller contacter votre joie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.